The November 2024 presidential election in the U.S. is marked by several events, including the assassination attempt on Republican candidate Donald Trump, but especially the decision this weekend of the current President Joe Biden to give up running for a second term, a decision which was predictable, according to Malian analysts. Le retrait de Joe Biden, c'est une bonne initiative. C'est à juste titre, parce qu'on voit bien qu'il est vraiment fatigué et qu'il faut laisser la chance à d'autres. On a vu ses limites dans la politique américaine à l'étranger. Il y a certains spécialistes même qui se demandent, qui se posent la question si réellement il pouvait terminer son mandat, parce que vu son état de santé, on l'a vu plusieurs fois pendant des rencontres, avoir des malaises. Et donc du coup, il a compris qu'il ne tient pas et c'est une façon pour lui de laisser Kamala Harris, qui est sa vice-présidente, devenir présidente. As soon as his candidacy was withdrawn, he brought his support to Vice President Kamala Harris, even if she has to wait for a Democratic Party convention mid-August to be confirmed. During his address to the nation, he argued that his withdrawal is motivated by his desire to save democracy and also to give change to a new generation to serve U.S. C'était une bonne chose dans le contexte actuel parce que on a vu qu'il a une chance, une santé défaillante. On a vu qu'il n'a pas, le physique qu'il faut encore pour tout ce qui arrive comme épreuve. Donc, dans ce contexte, on peut comprendre et on espérait qu'il fasse le choix de se retirer. Il l'a fait. Kamala Harris concentre en elle beaucoup de valeurs et beaucoup de choses qui font que c'est bien que ce soit elle la candidate. Mais Trump, parce que Trump est un populiste. Trump a déjà montré qu'il est capable d'amener l'Amérique à des aventures qu'on ne souhaite pas. On l'a vu exceller dans des domaines qu'on ne croirait pas de la part des Américains. Remember that President Biden is the 46th president of USA. He was elected in November 2020 for a four-year term, which ends in January 25. President Biden has spent more than 40 years serving U.S. government. He has been senator, vice president, and current president of the United States of America, an exceptional career which is saluted by even his detractors.